Happy Muffins. Nous revoilà pour l'épisode 5 de Soldats Inconnus War de la Grande Guerre. Et nous sommes en plein combat. C'est la catastrophe. Au secours. Ok, on attend que ça arrête de tourner. Oh, ok. Notre refuge est détruit. Il faut qu'on se dépêche. Oh, non. Oh, au secours. Qu'est-ce que... Oh là là. Il voulait plus répondre à mes commandes pendant un moment. Oh là là, on patauge dans la boue. J'ai plus qu'un petit gars avec moi. Non. Je suis toujours vivant, oui. Oh là là. On est obligé de rester là où il y a plein d'explosifs. C'est un petit peu dangereux. Là-dessous. Vite. Allez, Freddy. Ok, allez. On court. Oui, mine-toi. Oh, mais pas trop non plus. Ok. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas mourir, toi? Quoi ça sert, ce truc? Ok, ça sert pour pouvoir passer par-dessus. Qu'est-ce qui bloque? L'un de vous essaye de m'empêcher de faire mon boulot. On va tirer à la place, alors. Ok. Oh! Ah, je sais. Il faut que je trouve... Il y a des espèces de obus là-haut, du coup, il faut que je trouve des projectiles pour pouvoir les lancer d'ici. Il doit y avoir quelque chose dans la cabane. Oui, sauf que ça ne se lance pas. Une corde. Et des projectiles parfaits là-haut. Il me faut un couteau alors. Bon. Une petite pause lecture. En plus, je suis sûre qu'on a des faits à lire. Non. Pourquoi ça clignote pas? Ah, parce qu'on est toujours dans le même... Bah oui, on est toujours dans le même chapitre, c'est pour ça. Okay. J'ai déjà lu tout ça? Ouais, ok. Par contre, arrêtez de m'embêter. Voilà, ça. Jeu de cartes. Les journées de l'étranger sont longues et pour tromper l'ennui, les soldats jouent aux cartes, lisent, écrivent, fabriquent des objets à partir des matériaux qu'ils retrouvent. Si du côté allemand, on joue au scat, côté français, on joue plutôt à la manille. Sifflet d'officier. Les officiers sont équipés d'un sifflet pour signaler aux soldats le moment de la charge. Le son du sifflet est bien vite devenu synonyme de saut vers l'inconnu. Le dernier son avant de passer la balustrade et de se lancer vers le No Man's Land. Ok. Pas de journaux mis à jour? Non. Bon, il me faut un couteau. Il faudrait un couteau pour couper cette corde. Peut-être que c'est à ça que peut servir ce truc. Oui, c'est vrai, j'ai ma petite pince, donc si je... Grimper. Freddy, grimpe. Voilà. Hop. Non. Ta petite pince, elle est où? Là, voilà. Coupe. Voilà. Des projectiles. Alors... Là.
loin. Et voilà le travail. Ça, ça peut toujours servir. Oh! Mais arrêtez de crier, espèce de crétin, vous m'avez fait peur. Bon. Oh, ils me suivent gentiment en plus. Je pourrais vous mener vers la mort, vous savez. C'est dangereux de suivre des gens comme ça. Grimper par-dessus. Freddy, ne fais pas tout difficile, s'il te plaît. Ah, il manque une roue. Ok. Il me faut quelque chose pour faire une roue, comme ça je pourrais le tirer tout là-haut de la pente et ensuite le lâcher. De quoi faire une roue, voyons. Quelque chose pour faire une roue... Pas trop, je peux trouver ça. Il n'y avait rien de tel de ce côté-là. Oh! Haha! Et voilà. Bougez pas. Voilà. Ok. Encore une. Restez là, hein, j'en ai pas pour longtemps. Thank you.
dites pas qu'il fallait que j'aille chercher une troisième bombe, parce que là, je vais pas être super ravie. Ah, non, ça va, ok, il y a des trucs juste là. Que vous deux? Oh my god, my god, my god, my god. Au secours. Faites sonner la cloche. Encore ces énormes canons. Freddy! Moulin et trois arbres, ok. Ce sont les coordonnées. Ok. Voyons. Ça va exploser, ça? Non, ça va. Toutou? Des clés. Mais ici, ça sert à quoi de... Je comprends pas. Bon, on verra après, on verra après. C'est pas grave. Pour le moment, on a récupéré des clés. Oh non, je suis coincée. Non. Alors, start. Bon, ok, ça ira. Voilà. Allez, viens tout, renvoie les clés. Toutou. Ah là là. Mon toutou, tu... tu as fait une belle promenade, pas vrai, hein? Petit coquin. Ah là là. J'ai bien vu un truc dans la terre, je sais pas si c'est ça. J'ai un petit peu peur que ça m'explose à la figure. Non, grimpe, Emile. Voilà. C'est pas ce truc-là? Non, peut-être pas. Ou alors il faut que je creuse un petit peu plus, peut-être. Pas, ça a peut-être rien à voir. Non, pas d'indice, ça va aller.
Ah, ça peut-être. Non, mais Toutou, tu ne me facilites pas la tâche. Je peux pas le tirer tout en haut, ça alors. Émile grimpe. Peut-être le pousser plutôt ? Non, vraiment, non. Peut-être que ce truc, je dois le récupérer d'abord pour... Je peux pas le récupérer ? Oh ! Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là du niveau. Ah oui, c'est vrai, ce gros truc. Faut que je trouve un moyen de le récupérer. Voyons. Toutou. Va chercher une petite bombe, s'il te plaît. Ramène à tonton Émile. Voilà. Détruit le pont. Étonnant. Toutou, je suis désolée. Ouais. Retourne chercher. En tout cas, je remarque que j'ai plus trop de problèmes avec la manette pour... Enfin, oui. Je me mélange un peu quand je suis dans les menus parce que je trouve que c'est pas très bien fait. Enfin, peut-être que c'est parce que je joue avec une manette que c'est pas facile dans les menus, mais... Est-ce que ça va détruire l'arbre ? Non ! Rien du tout. Hé, hey, Walt ! Que je pouvais le tirer plus que ça. Bon, faudrait que je trouve une manivelle pour mettre sur ce truc. C'est dommage que je puisse pas récupérer celle que j'ai mise sur le canon. Je récupère celle-ci. Je pense vraiment qu'il faut que j'utilise les bombes, mais je sais pas très bien où la placer en fait par rapport à l'arbre. Sur la bonne branche en fait. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Oui. Ok, alors. Comme ça. Yeah.
tout. Apparemment, j'arrive plus à utiliser ce levier, donc voilà, si tu veux bien le faire à ma place. Juste. D'accord, okay. Je vais juste reculer le grappin. Par pure manie, mais. Oui, alors. C'est là. Voilà, chargé. Ensuite, alors, il faut que ce soit au niveau du moulin. Et entre trois arbres. Ici. Au niveau du moulin et en hauteur. En hauteur au niveau de trois arbres. Ils sont où ces trois arbres? Enfin, il y a ceux qui sont là. Est-ce que ce serait. Est-ce que ce serait là en fait le truc? C'est au niveau du moulin, donc sur cette ligne. Là, ici, trois arbres. La précision du tir d'Emile permit à Freddy et son régiment de regagner un homme en arrière-ligne. Bravo, Freddy! La hiérarchie militaire eut vent de leur exploit et décida de décorer les deux amis pour leur bravoure. Emile avait reçu de bonnes nouvelles de la part d'Anna. La santé de Carl s'améliorait. Il recommençait à marcher. Ah, ça me fait plaisir. Pendant ce temps, la bataille de Verdun s'éternisait. Les morts étaient toujours plus nombreux, 70 000 par mois. Presque un Français et un Allemand tombaient chaque minute. Et cela pendant 10 mois, nuit et jour. Mai 1916, le bataillon d'Emile fut envoyé pour reprendre le fort de Douaumont, un point clé de la défense allemande. Ok, parfait. On est à combien de temps d'enregistrement? Ok, seulement 24 minutes, donc on va continuer. C'est bien, on va avancer comme ça. Je suis contente que Carl s'en sorte bien. Qu'est-ce que c'est? Un champ de mine? Qu'est-ce que... Toutou, tu passes sans problème. Est-ce que ça veut dire que nous, on peut aussi bien s'en sortir ou... J'ai un petit peu peur. On va éviter de creuser, en tout cas, hein. Freddy passe sans problème, ok. Lui, il tire dans le vide, y a personne, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, je vois bien qu'on peut pas passer. Est-ce qu'il faut que je creuse? Je vais quand même pas creuser là-dedans. Oh, ici, on dirait qu'il n'y en a pas, a priori, d'après... Si je comprends bien le signe, il n'y aurait pas de bombe ici. Ouais, et donc... Ouais, mais je peux pas creuser plus profondément, genre, pour accéder à un tunnel? Non? Non, mais je veux juste remonter, là, maintenant. Ne me dites pas que je me suis coincée dans un trou, c'est ridicule. Ah, voilà. En fait, c'est moi qui appuie sur n'importe quel bouton. Oh la vache. Du gaz empoisonné ou je sais pas quoi. Vas-y, ressouffle ton truc. Ce truc c'est un pas ou en fait je peux passer, il n'y a pas de problème, c'est pas empoisonné. Oh, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Amy, tu peux pas essayer de monter plutôt que d'avancer en plein dans les ennuis? Bah, je ne sais pas quoi faire. Il faudrait, en fait, c'est moi qui fais mal le truc. Il y a sûrement un moyen de creuser en hauteur et c'est moi qui ne sais pas faire. Peut-être que ce gaz n'est pas... D'accord, il l'est. Tiens. Oh, mais c'est juste un objet, c'est pas un gros truc qui va me débloquer. Oh là là. Il va encore falloir que je passe en truc clavier comme j'ai fait pour Zelda. Option, clavier, O et espace. Alors attends. D. Ok. On va essayer avec le clavier. Voilà. Faisant haut et droite en même temps que creuser, c'est bon. Je reprends ma manette. Et ben, tout ça pour ça. Vas-y. Distrais le bonhomme, s'il te plaît. Ah, c'est leurs chaudières qui font... qui émettent tout ce gaz incroyable. Allô, c'est un... Roma. Rubenheimchen, hein. Vous, hein. Ruben. Non, l'autre côté, toutou. Un instant-là, moi... Voilà. Bon. Ouais. Patience. Oh.
oui, il y a des petits trucs à lire, j'avais oublié. Alors, fait, sur le fort de Douaumont. Il est l'un des symboles de la bataille de Verdun, utilisé par la propagande officielle des deux camps. Le fort est pris en février 1916 par les Allemands et repris par les Français au prix de lourdes pertes en octobre 1916. Entre-temps, une mystérieuse explosion fit près de 800 victimes du côté allemand à l'intérieur du fort. Ce n'est pas un héros inconnu qui est la cause de cette explosion, mais un réchaud mal éteint qui aurait causé un feu qui se propagea jusqu'à la réserve de carburant et de munitions. Le lance-flamme. Si les Allemands sont les premiers à l'utiliser, le génie français travaille rapidement à la création d'un équivalent. Mise en œuvre dès février 1915, l'arme a une portée psychologique beaucoup plus importante que le nombre de victimes qu'elle fera. L'utilisation du lance-flamme restera limitée. Okay. Les objets. La pelle de tranchée. La pelle de tranchée française est trop courte et peu commode à utiliser pour creuser les tranchées ou les sapes. Par contre, les combattants aiguisent ses bords pour en faire une arme d'appoint plus maniable que la baïonnette. Ok. Les journaux. « 21 février 1916. Ce matin, un déluge d'obus s'est abattu sur notre secteur. Freddy était à l'avant, il a bien failli y passer. C'est jouer les artilleurs pour le sortir de ce bourbier. Une décoration m'a été donnée, mais j'aurais préféré une permission pour aller voir Karl au camp de prisonniers. La dernière lettre de Marie m'a fait grand bien. » 21 février 1916. Ce cher Émile m'a encore sauvé la mise ce matin. Quel déluge de feu. Il faut que je réponde à mon frère, il s'inquiète pour moi. » Anna... Ça, c'est bon. Karl, c'est bon. Et Marie, c'est bon. Ok. Alors. Voyons. Que faire? C'est la douche, hein. Ok. Alors ça, ça fait monter le... Oh, ok. Voilà Freddy. Que va-t-il faire? De mon côté, je me demande à quoi va servir cet explosif. J'aimerais bien le récupérer. Peut-être que Toutou peut s'en occuper, je sais pas. Non, Toutou, reste en bas. J'arrive.
Super, toutou. Ok. C'est bien. Ok. Si je... Mais le truc, c'est que... Si je lance simplement... C'était ce qu'il fallait faire, c'est bon ? Ah, il s'est rendu compte de rien. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir Émile de là. S'il y a de la terre, c'est qu'il faut que... Il faut que ce soit Émile qui soit là. Bon, en attendant, petite pause lecture. Caisse en bois vide. Cette caisse en bois vide sert de valise à un soldat allemand. Les valises n'étant pas répandues, les plus pauvres partaient avec leurs affaires emballées dans un drap, d'autres avec des caisses en bois, l'ancêtre des valises. Bague allemande. La bague porte l'inscription « Goldgab ich für Eisen » que je dois prononcer très mal et je m'en excuse. C'est une bague en fer donnée en échange d'un objet précieux dans le cadre d'un programme de collecte pour financer l'effort de guerre allemand. Je pensais que je pouvais l'attaquer plus vite, mais... Ok, on va éviter. De ce côté-là, je peux rien faire. Toutou ? Non, ok. C'est une échelle, ça ? Ou un tuyau ? Ici, je crois que j'ai rien ramassé de particulier. À part l'objet spécial, mais il est toujours dans mon inventaire, il n'y a pas de souci. Là, rien. Décède en ramassant un bâton en feu, quoi. Non. Thank you.
tout, non. Gunnar. Bon. C'était particulièrement horrible psychologiquement pour Toutou. J'aurais dû garder Toutou avec moi au lieu de lui faire subir ces choses horribles. Ok. Oh! Non, il a pas ramassé. Je voudrais juste pouvoir le poser dans l'espèce de récipient en haut. Au vol, sinon ça marche pas. Mais la durée est assez longue pour que ce soit possible. Toutou, tu restes bien en place, hein. Thank you.
Oh, ok, il n'y avait absolument rien là-haut. Baron Van Dorf, j'ai comme l'impression que ça fait comme si c'était une sorte de boss de fin de chapitre, en fait. Toutou ! Comment je peux... Non, qu'est-ce que je fais? Toutou, est-ce que tu peux me dire ça actionne quoi ce levier? Le truc c'est que je l'ai détruit ce truc, donc au final... La seule manière d'avoir le numéro 2, c'est d'attendre plutôt que le truc vienne en bas. Je vais essayer. Oui, c'est ça. Merci, Madame Christ. Le père d'Anna. Come. Non. Ne me dites pas que c'est une course.
Ok. C'est donc normal. Donc, par contre, j'ai pas Toutou avec moi et ça, ça me rend triste. Bon, y a plus rien à voir ici. Par contre, je sais pas, on est à la toute fin du chapitre. En même temps, il y a combien de minutes d'enregistrement? Oh là 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 là, mais on est à une heure, on est à une heure d'enregistrement, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Bon, c'est dommage, j'aime bien m'arrêter après certaines, on va dire, des unités d'histoire, mais là, on a déjà bien assez avancé dans l'histoire. Donc, suspense, que va-t-il se passer? J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. On avance bien dans l'action, bien dans l'histoire et tout. Je suis sûre qu'on est à la fin du chapitre 2, donc pratiquement à la fin, à la moitié du jeu. Donc, voilà. voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6 ou 7, je sais plus. Voilà, à très bientôt, salut !